Je suis Finnegan Oldfield et je suis le parrain de la fête du court-métrage. Je suis très honoré. J'ai commencé avec ça. Le tout premier truc que j'ai fait, le projet que j'ai fait, c'était à 10 ans, c'était un court-métrage qui s'appelait Pas de pitié de Blandine Lenoir. Et voilà, c'est là où j'ai été mordu, j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Plus tard, j'ai rejoué dans d'autres trucs, dans d'autres projets, des séries et même des longs métrages. Mais ce qui m'a révélé, entre guillemets, ce qui m'a fait avoir du boulot, c'est un court métrage qui s'appelait Ce n'est pas un film de cow-boy de Benjamin Parent. Je dirais ce principe un peu de concept. Mais pourquoi concept? Parce qu'il faut qu'en un temps limité, on arrive à parler aux gens, que ce soit efficace et intéressant. Que ce soit drôle ou flippant, mais dans un très court format. Donc c'est comme raconter une histoire. Faire un film, c'est toujours raconter une histoire, mais là, c'est raconter une histoire rapidement. Un public un peu, comme si on racontait ça, un public un peu inattentif. Enfin, non, mais en tout cas, il faut être efficace, donc ça demande du travail. De la rigueur, c'est pas juste un exercice, même s'il y a moins de pression. Peut-être que sur un gros projet, que sur Dune, même si sur Dune, ils ont l'air de... Ils sont peut-être marrés, hein, je sais pas. En tout cas, sur un court-métrage, il y a cette espèce d'exercice de trouver un truc fort et le raconter rapidement, eh bien, je crois que c'est ça qui fait un bon court-métrage. L'exercice est compliqué, mais c'est intéressant. Ça vaut le coup de s'y pencher, je pense. Je pense que c'est un exercice, le court-métrage, c'est un exercice pour les scénaristes, pour les réalisateurs, pour les acteurs, d'avoir quelque chose de puissant et d'intéressant et de prenant. J'ai joué dans le dernier film de Michel Hazanavicius, qui s'appelle Z comme Z, qui est l'histoire d'un tournage de film de zombies qui se passe mal. Et sinon, j'ai tourné dans un film de genre d'une réalisatrice qui s'appelle Angela Terrail, qui avait fait un court-métrage qui s'appelait Mars. Et ça, c'est un film de genre, et ça s'appelle Paula. Et je crois que ça va être flippant. J'ai un projet d'écriture de court-métrage. Pourquoi un court-métrage et pas un long? Pas parce que je manque d'ambition, mais parce que je me dis que justement, y a du challenge d'écrire un court qui pourrait être pas mal. Et je me rends compte, là, vu que j'essaie de l'écrire, que ce qui est dur, c'est justement de trouver son sujet, de quoi on parle précisément. Ça parle de quoi? Parce qu'on a envie de tout mettre. On a envie de mettre toute sa vie dedans, tout ce qui nous est arrivé et tout. Bon, voilà, moi, j'essaie de... Là, pour l'instant, j'en suis déjà essayé de trouver le topic, enfin le soleil du film. Donc voilà. Donc j'applaudis tous ceux qui l'ont déjà fait, tous ceux qui vont le faire et tous ceux qui sont en train de le faire. Trouver vraiment le pourquoi du comment et de quoi on parle. Et c'est cool, c'est bien. Bravo, continuez. Je vais essayer, moi.